Alors donc, comme je le disais tout à l'heure, cet été, nous réglerons les grands problèmes de notre société contemporaine, bien ancrés malheureusement dans cette mondialisation destructrice. Et j'ai amené deux points de vue. En fait, c'est l'insécurité que nous vivons actuellement. L'insécurité, là, j'ai fait des flèches, je suis jamais capable de suivre ça. Allez, je vais montrer ça à la caméra, moi. OK, vous voyez ça, c'est épouvantable, hein? Essayez de relire ça, là. L'insécurité, parce que nous sommes aussi sur un site où on peut voir les grandes canadiennes. Hein? C'est ça qui est gênant. C'est très gênant pour moi. Mais il faut jamais avoir peur du ridicule. Et puis, donc, l'insécurité, c'est... hey, comment j'ai fonctionné? Donc, OK, oui, OK. Non, non, je l'ai. Ah, je l'ai. Non, je te dis, hey, lâche-le pas, lâche-le pas! Il va pas courir! Couche-le, couche-le! Oui. L'insécurité amène la précarité économique, éducationnelle, intellectuelle, sociétale et par le fait même personnel. Alors, pour ce faire, aujourd'hui, nous rencontrons un médium ou une médium pour connaître l'avenir de l'errance rénadienne, car on ne sait jamais, hein? Non, non, mais on sait toujours, tout est acquis, puis on ne sait pas, on ne sait plus. Je suis perdu, fait comme l'oiseau. La vie est pure et doux, fraîche, l'oiseau. Mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Bon, l'oiseau, l'oiseau, ça c'est la plume qui a perdu. Donc, on sait plus, hein? On dit que oh, c'est une émission qui a déjà fonctionné, qui fonctionne peut-être un peu moins bien, qui roule plus, qui est carré. Mais qui est là, puis on se demande, un peu comme genre de, les dents barrées, là. T'arraches, puis tu veux juste arracher une dent, l'Iran, c'est ça. Là. Alors, on va demander à une médium, là, qu'est-ce qui va nous arriver, nous, dans l'avenir? Alors, bonjour, madame, mademoiselle. Ah, moi, c'est madame. Madame? Oui, vous êtes une voyante? Une médium. Médium, mais aujourd'hui, extra large. Hein? Pris du poids, beaucoup de poids, donc, mais un peu lire dans tout. OK. Alors, dans quoi vous allez nous lire, là, aujourd'hui? Ben, je vais lire le journal, page 32. Non, merci. Non, non, on veut pas lire le journal, mais l'avenir. Oh, l'avenir de l'errance rénadienne. L'errance rénadienne. Comment? J'ai eu une absence, là, parce que je cherchais, je voyais rien. L'errance canadienne. Non, pas canadienne. Non, le Canada, on sait où ça s'en va, là. Ça s'en va, là, c'est parti, là. Non, non, nous, c'est... l'errance rénadienne. Rénadienne. OK, je vois. Là, je vais lire dans quelque chose d'assez extraordinaire pour vous, monsieur Gagné. Okay. Monsieur, excusez-moi. Non, c'est l'énervement, là, ici, à la radio, la première fois, fait le voyant, c'est pas compliqué, très compliqué pour moi, là. Pas compliqué au contraire, très compliqué au carré, là. Mais il va avoir des choses extraordinaires pour le flatulence. Non, c'est pas flatulence, c'est errance rénadienne. Errance rénadienne. Déjà là, titre étrange. Oui, ben, c'est parce que moi, je m'appelle Rénal. Oui? Rénal. Et je voulais amener l'errance, c'est-à-dire marcher sans aucun but, à travers les mots, se raccrocher aux mots. Oui, je vois. Et ensuite? Ben, c'est ça, là. Et donc, je suis ici depuis quelques années. J'ai été renouvelé 4-5 fois, 4-3, 4 fois, je sais pas. Puis j'ai commencé comme chroniqueur à l'émission Sur le pouce avec Marjorie Champagne. Marjorie Champagne. Oui, je vois. Ouais, vous la voyez? Ah, je la vois. Vous, pitié, hein, pitié. Comment ça, pitié? Ben, vous avez vu? Oui. Et vous a pris en pitié. Oh, OK. Ben, elle a été en... Elle pouvait pas faire tout le temps. Et alors, elle est venue. Oui, c'est clair, hein? Oh, c'est très clair. Moi, je suis plus médium. Moi, je suis extra large. Hein? J'ai pris beaucoup de poids. Mais je vois. Qu'est-ce que vous voyez? Ben, alors, Finaldienne est là. Oui. Elle est là. OK. Et puis, restera-t-elle?
Tel. Ah, elle est là présentement. Oh, c'est sage là, ce que vous me dites là. Alors, c'est le jour présent. Sous le présent. Maintenant. Maintenant. Là, là. Là. OK. Là. On peut-tu chanter ensemble avec vous, Madame Médium? Ah, moi, pas santé, moi, voir les mots, moi, pas m'accrocher aux mots, mais vous suivre. Non. Mais merci, vous êtes Madame? Madame Médium Extrolar. OK. Est-ce que je peux vous embrasser? Non, parce que t'as chié tous les esprits qui vont descendre sur moi, mon corps est un puits. Oh, et puis? Et puis, il capte tout. Il capte tous les mots, tous les messages, je te laisse, je sens tout. Je suis un vibrato. Oui. On peut-tu dire que vous jouez ça en direct? Non, je ne joue pas. Je capte. Oh, comme Diane Dufresne. Diane Dufresne. Hein, connais pas. Moi, viens a été cueilli en Suisse avec grâce à des écureuils. OK. Habite la Suisse avec trois autres écureuils. Très gentil. Hein? Différence entre Suisse et écureuil? Je sais pas. La queue. Suisse, écureuil en pointe. Écureuil, t'as peu. Je recommence. Suisse. Écureuil. Non, attends un peu, je le commence, ok. Oui, mais là, arrêtez, là. Oui, non, mais je suis excité, moi, là. Ok. Suisse, queue en tête bouchon, écureuil, queue à telle. Ok, alors si on voit un animal et on hésite entre l'écureuil et le Suisse, si il a la queue en l'air, c'est un Suisse. Exactement, vous avez vu dans mes pensées? Non. Ah, vous êtes aussi méchant, monsieur Nasnes. Vous êtes aussi médium? Oui, on me l'a dit. Mais moi, je suis médium très large. très large.